Au sud de Yunnan, près de la frontière sino-vietnamienne, s'étend une grande chaîne de montagnes, Hai Lao Shan. Et du côté chinois, dans la belle région Yuanyang, vivent les Hani, une ethnie minoritaire. Pendant plus de 1300 ans, avec un travail ardu, une grande sagesse et surtout envie de belle vie, ce peuple a fait une région montagneuse un joli coin paradis. Et sculpté sur terre le plus beau tableau champêtre, Rizière en terrasse. À certains endroits, les niveaux de terrasse dépassent 3000. Incroyable. En 1995, Dr. Eugène, anthropologue français, est venu visiter Yuanyang. Devant ces beaux paysages champêtres, il a dit avec plein d'admiration: les rizières en terrasse ici est un vrai art de sculpture sur terre. Et les Hani, les vrais artistes. En 2013, les rizières en terrasse ici sont classées par l'UNESCO. C'est un peuple qui garde bien leur propre langue et leur propre tradition. Leurs villages sont toujours construits au talus des montagnes, à côté des rizières. Et quand ils construisent une nouvelle maison, ils gardent toujours l'ancien style, maison champignon. Les jours de marché, les dames locales préfèrent y aller costumées. Ils aiment les rizières, ils aiment le riz et ils rient bien.